Docteur Mbemba Traoré, président du PDU et membre de la Corinth. D'accord. Cet après-midi, on a eu une réunion de concertation au niveau de la Corinth, au niveau de notre coalition ici, lors de laquelle réunion, notre président, son Excellence M. Elhadj Mohamed Sylla, nous a fait un compte-rendu détaillé relatif à la cérémonie d'ouverture du cadre de concertation qui a eu lieu le vendredi 15 avril 2022 au Palais Mohamed V. La réunion qui a été présidée par son Excellence Monsieur le Président de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Nous avons discuté aussi de la lettre qu'on a reçue du ministère de l'Administration du Territoire. Dans cette lettre de Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire, il nous a été demandé notre proposition de date du chronogramme de la transition. Après analyse de cette lettre, nous allons adresser à Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire une lettre dans laquelle nous donnerons notre point de vue relatif au contenu de sa lettre. Je vous remercie. Et que pensez-vous des 10 étapes du chronogramme de la transition ? Écoutez, nous avons fait une réunion, on a mis des points essentiels sur table et nous allons adresser une lettre à M. le ministre dans laquelle nous allons dégager ce que nous passons par rapport au contenu de sa lettre. Quelle est la durée que vous avez préconisée ? On n'a rien préconisé, on va travailler là-dessus. Il y a une commission qui va siéger, qui va réfléchir, il va sortir un document qu'on va amener. Qu'avez-vous retenu donc du compte rendu de Mamadou Sylla par rapport à... Le compte rendu, il nous a fait un compte rendu détaillé sur ce qui s'est passé par rapport à cette réunion-là. Et je pense que nous sommes en politique. Nous devons adresser une lettre à M. le ministre. Nous ne pouvons pas dégager toutes nos stratégies ici devant la presse. Est-ce que vous êtes prêt à faire une contre-proposition comme vous avez recommandé? Là, c'est... S'il vous plaît, je ne peux pas répondre à cette question-là. Voilà. Vous posez la lettre quand? C'est quand la commission aura fini de travailler sur la lettre, demain ou après-demain. On vous remercie. Merci.